Regardez cette photo de l'émission Salut les Terriens sur Canal+. Qu'est-ce qu'on voit? Bien vu, les dents de Thierry Ardisson sont beaucoup trop blanches, mais surtout, il anime avec un robot. Et si Canal+ et toutes ses émissions n'étaient qu'un complot des robots? Observez bien, cette année, on fête les 30 ans de la chaîne Canal+ 30. Et en mélangeant les initiales CP30, qu'est-ce que ça donne? C3PO. Et qui fête aussi ses 30 ans cette semaine? Terminator, bah voyons. L'animateur Antoine Decaune est en plus né le 1er décembre 1953, le même jour exactement que Robocop. Et puis quand on additionne toutes les lettres du mot robot, on obtient bizarrement 69, l'âge de Michel Denisot. Le nouveau patron du groupe Canal+ s'appelle Vincent Bolloré. Retournez simplement un L et c'est l'anagramme parfait de le robot. Coïncidence? Je ne crois pas. Regardez maintenant cette image du journal du Hard. Qu'est-ce qui saute aux yeux? Bien vu. Dans Journal du Hard, il y a deux R et deux D. Une allusion à peine voilée à R2-D2. Et devinez avec qui l'animatrice Maïtena pactise dans son émission. Un robot comme par hasard. S'il vous fallait encore une preuve, prenez le logo de Canal+. Qu'est-ce qu'on voit très clairement? Et oui, bien vu. En retournant les deux derniers signes, ça fait Cana X7. Une référence évidente au robot nettoyeur de piscine, Robot Cana X7. Maintenant, vous ne pourrez pas dire que vous ne saviez pas.